tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la revue d'effectifs et aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer au champion de France en titre, le Stade Toulousain qui nous a régalé la saison passée, tant défensivement qu'offensivement, vraiment une très belle saison pour le Stade Toulousain qui a échoué en Coupe d'Europe face au Leinster, le finaliste de cette Coupe d'Europe, mais voilà, une belle équipe franchement, ils nous ont vraiment régalé. Un petit peu de changement cette année, la Coupe du Monde va leur faire mal, ils vont perdre quand même beaucoup de joueurs. Donc voilà, on va faire une petite revue d'effectifs comme le nom l'indique. Avec au niveau des arrivées, Rory Arnold, le frère de Richie, qui était déjà au Stade Toulousain, qui s'en va, on verra après. Donc Rory Arnold, le deuxième ligne qui arrive des Brumbies, Bastien Chalureau qui arrive de Nevers, Antoine Miquel, troisième ligne d'Agen, Tristan Teder qui revient de Bayonne, il était parti en prêt. Werner Kock, l'ailier de 26 ans qui arrive en tant que joker Coupe du Monde, c'est un Sud-Africain, c'est vraiment une petite pépite. Et enfin, Maxime Marty qui revient de près de Bayonne. Au niveau des départs, on en a parlé il y a deux jours avec la section paloise, Lucas Pointu qui s'en va donc à Pau, Leonardo Giraldini qui n'est pas conservé, Matavesi, le talonneur qui n'a très très peu joué la saison passée, qui s'en va au Corniche Pirates. Pioulafa Salele qui s'en va à Perpignan. Richie Arnold, j'en parlais tout à l'heure, qui s'en va faire une petite pige au Japon en cette année de Coupe du Monde. Pierre Guéraud qui s'en va à Grenoble. Alexandre Manoukoula qui est prêté à Colomiers. Et enfin, Bastien Bourgier est transféré à Castres, le jeune espoir. Le jeune demi de mêlée, ce qui va nous donner quand même un effectif assez conséquent. Je vais parler un petit peu de la Coupe du Monde, forcément, je suis obligé, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo avant le début de la Coupe du Monde pour faire un petit récapitulatif de tous les joueurs qui s'en iront à la Coupe du Monde, et puis vous verrez comme ça l'impact que ça a. Là, on n'est pas encore sûr sur toutes les nations. Ceux qui partiront pas, il y en a qui ont encore le temps de se blesser, etc. Donc je préfère pas trop en parler, je vais en toucher deux mots quand même, mais voilà, je vais pas trop en parler. En première ligne, on retrouvera Charlie Faumina, Max Van Dijk, le Sud-Africain qui a demandé la nationalité française au président Macron lors de la finale, et qui devrait l'obtenir dans quelques semaines. On retrouvera également Dorian Aldeguerri, Cyril Bailly qui vient d'être appelé par Jacques Brunel, en tant que réserviste, suite à la blessure d'Étienne Falgou pour la Coupe du Monde. On retrouvera Rodrigue Netti, Paolo Tafili, deux joueurs qui n'ont pas trop joué l'année dernière. On retrouvera également Clément Castets, et puis Maxime Duprat, un jeune espoir de 21 ans. Au talon, on retrouvera Julien Marchand, gravement blessé la saison passée lors du tournoi Destination, ligament croisé. On retrouvera Peato Movaca qui lui aussi a été appelé par Jacques Brunel. Guillaume Marchand, le frère de Julien qu'on a cité en premier, 21 ans pour Guillaume Marchand qui a vraiment un bel avenir devant lui. En deuxième ligne, je voulais teaser un petit peu après la vidéo de la section, Youssefa Tekori va rester au Stade Toulousain, il a choisi de ne pas faire la Coupe du Monde. Retraite internationale pardon, pour Youssefa Tekori. Il sera accompagné en deuxième ligne de Richie Gray, de Rory Arnold, de Bastien Chalureau, de Florian Verrague. En troisième ligne, on a toujours Jérôme Keino, Louis-Benoît Madol, Reinhard Elstadt, Gillian Galland, Karl Axtens, Alban Placine qui est arrivé de Biarritz, qui n'a pas trop joué la saison passée, il a du mal à percer. François Cross ou encore Antoine Miquel. Et puis après, quelques jeunes qui sont là aussi, par exemple Selevasio Tolofua ou encore Karl-Robin Malanda, qui pourront faire quelques apparitions cette saison. Ne soyez pas étonnés si vous les voyez. À la mêlée, on aura toujours Antoine Dupont, qui est avec l'équipe de France, Sébastien Bézi, Pierre Pagès. À l'ouverture, Zach Holmes, Tristan Teder, Baptiste Mouchou ou encore Romain Ntamack, lui aussi avec l'équipe de France. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Au centre, Maxime Mermoz, Pita Aki, auteur d'une très belle saison la saison passée, Théo Belan, Pierre Fouissac ou encore Sofiane Guitoun qui a été déplacé un peu au centre, qui peut jouer également à l'aile. Johan Hugé avec Werner Kock, Cheslin Kolbi, vraiment la révélation, le joueur pour moi de la saison passée. Il a vraiment fait très très mal aux défenses.
Arthur Bonneval, Maxime Marty, Lucas Tauzin qui a joué un peu la saison passée. À l'arrière, on retrouvera Maxime Médard, Thomas Ramos ou encore le jeune Matisse Lebel. Voilà pour l'effectif du Stade Toulousain, ce qui nous donne un 15 type forcément avec beaucoup de joueurs internationaux qui sont partis déjà en préparation pour la Coupe du Monde. On retrouve donc en première ligne Baye, Marchand et Faumina. En deuxième ligne, Rory Arnold et non Richie, celui que vous avez vu cette année, avec Josefa Tecori. En troisième ligne, j'ai fait une troisième ligne avec Elstad, Kroos et Keino, une charnière classique avec Dupont et Ntamack. Sur les ailes, Ugé et Colby. J'ai choisi de positionner Colby sur l'aile parce que j'ai mis Ramos à l'arrière. Je trouve que ça correspond mieux à leur profil. Je trouve que Colby à l'aile, ça fait vraiment des misères aux défenses adverses. Et enfin, j'ai choisi pour la paire de centre une paire Aki-Gitoun. Gitoun qui lui aussi a fait une très bonne saison. Hein. On le croyait un peu perdu après son passage à Bordeaux. Et pourtant, il est en forme, Sofiane Guitoun, il est avec l'équipe de France, il a été rappelé par Jacques Brunel. Donc vraiment intéressant cette équipe, à voir comment ils vont gérer cette Coupe du Monde, plus le tournoi Destination, en espérant qu'ils aient pas trop de blessés quand même. On va les retrouver les Toulousains en Champions Cup, bien sûr. Ils sont dans une poule, on va dire, dans laquelle ils devraient sortir en tête. Voilà. Ils sont favoris de cette poule. Je vous dis tout de suite, ils sont avec Gloucester, le Connacht ou encore Montpellier. Voilà. Que dire de plus? On va passer au calendrier. Donc les Toulousains, ils vont faire deux matchs amicaux. Le vendredi 2 août, dans le Tarn, à Gaillac, si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas à aller voir Toulouse-Colomiers. Et encore le mardi 13 août, ils iront à Béziers pour jouer face à l'AS Béziers. Qui a changé de nom, mais on en parlera un peu plus tard dans les vidéos pro des deux. Voilà pour les deux matchs amicaux du Stade Toulousain. On en a parlé, ils vont commencer leur championnat à Bordeaux par un derby. On va dire que c'est un derby hein, quand même, Bordeaux-Toulouse. Ils iront à Lyon avant de recevoir le Racing et d'aller au Stade Rochelais. Donc quatre matchs vraiment compliqués dès le départ pour le Stade Toulousain. Ensuite, il y a un petit Stade Toulousain Rugby Club Toulonnais, pardon, le 28 décembre, celui-là, juste après les fêtes de Noël, il va nous mettre en jambes. Ils reprendront l'année le 4 janvier au Stade Français. Un beau calendrier. Le 11 avril, ils iront à Castres. Et enfin, ils finiront la saison par un déplacement à Clermont le 30 mai. Et ils concluront cette fois-ci le 6 juin, pardon, face au CA Brive-Corrèze. Voilà pour le Stade Toulousain, les amis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce qu'elle va être aussi performante que la saison passée? Est-ce que vous les voyez toujours devant? Est-ce que vous les voyez champion de France cette année, faire le doublé? C'est rarement facile, enfin c'est très compliqué de faire le doublé. Est-ce qu'ils iront loin en Coupe d'Europe? Dites-nous tout ça, les amis, en commentaire. Est-ce qu'ils vont arriver à gérer cette saison quasiment sans les internationaux? Eh ben, on verra ça un peu plus tard dans la saison. N'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux, les amis, toujours les mêmes, Facebook, Twitter, Instagram. L'anniversaire arrive et vous n'allez pas être déçus, les amis. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera sur le MHR Montpellier. Bonne fin de journée, ciao ciao.